Eh bien, ça de Twisted Mystic Paradox, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Spyro le Dragon. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'épisode 15. Dans cet épisode, on va finir le monde des tisseurs de rêves avec le vol de glace et le niveau de Jacquet, donc qui est le boss. Normalement, on va finir le monde des tisseurs de rêves et a priori, c'est le dernier monde, vu qu'après le monde des tisseurs de rêves, logiquement, c'est Kniasty. Parce que si vous regardez les points de compétence, on voit que on a Jacquet et Kniasty New York. Je sais pas du tout, je sais pas s'il va y avoir un monde ou quoi que ce soit, on verra bien. Je vous propose dans un premier temps qu'on s'attaque au vol de glace. Et vous savez quoi? On lance maintenant. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. That is torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Ok, donc du coup, on se retrouve au vol de glace. On va, dans un premier temps, comme d'habitude, faire un tour pour voir ce qu'on a à faire. Et après, bah, ce sera l'heure de l'accélérer, tout ci, tout ça, quoi. Alors, ok, déjà, il y a des tonneaux, ok. Il y a des mecs avec des hélices. Des mecs volants. Ok. Ok, donc là, il y a plein de mecs volants. Pour le moment, on regarde. Ouais, il y a les trains. Ok. Tac, encore un train, je pense. Ok, le train, c'est bon. Ensuite, les mecs qui volent. Oh mince, y'en avait un là. J'avais pas vu. En fait, y'a plus que celui-là. Ah, ok, donc on n'a pas tout vu. Ok. Donc, et on a des lumières et des coffres. Ok. Et honnêtement, il m'a pas l'air si compliqué que ça. Putain, Spyro, t'as fait quoi là? Vas-y, recommence. Ah, je pense qu'on peut vraiment tenter de faire les deux en même temps. Ok. Donc concrètement, on foire pas, on l'a. Tac, il m'en reste un. Il est où? What? Foiré. Bon, moi j'ai perdu. J'avais pas vu. C'est bon. Ça va. Ça va pas être trop compliqué, j'ai eu le bon chemin. Ok,
Donc ça, c'est fait à 100%. Bon bah maintenant, il nous reste plus que Jackie à faire. À 100% et avec le défi. Donc avec le point de compétence. Le point de compétence qui, je le rappelle, est de le faire en mode perfect. Donc Jackie qui est ici. Jackie qui est là, voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est Jacques. Pourquoi j'ai dit Jackie? C'est Jacques. Je crois que j'ai toujours dit Jackie. Bon! Donc, à mon avis, on a un dragon, peut-être 500 gemmes, je dirais. Deux dragons, 500 gemmes. Boum. Et toi là, toi tu fais quoi? Ok, lui je peux y foncer dedans. Nul. Ok, alors, hop. Tac. Je pense pas qu'on puisse le faire en perfect direct, ça me paraît compliqué. Dégage. Toi. Tac. Ah, ça va un petit peu dans tous les sens là, ça m'embête un petit peu. Je sais pas du tout par où aller. Toi, tu fais quoi? Je sais pas. Tac, dégage. Ah. Mais c'est une blague. Comment est-ce que je suis censé avoir? Comme ça. Par contre, attends. Attends, il y a des gemmes partout. Ok. Salut. Ça passe ça? Vraiment? Ça passe pas. On va aller voir du coup de l'autre côté, je pense. On va aller voir là. Excusez-moi, je crois que j'ai cru tomber dans le vide. Et j'ai pas franchement apprécié. Alors, hop. Ok, donc là il y a une clé pour un coffre. On ne sait pas encore. Par contre, voilà. Wow! Te calme! Donc, du coup, le perfect, c'est mort, mais bon, c'est pas grave. Et ils font mal! Dégage! Ah, on a plus de sparks! Mince, on a plus de sparks! Ok, on va pouvoir le récupérer là. Tac. Je sais pas trop où je vais, mais bon. Ok. On a déjà un dragon. Tu as un conseil avant la bataille?
un conseil. Un vieux sage m'a dit un jour de viser haut, mais de faire attention aux boîtes volantes. Ok, ça va, il a pas l'air très fort. On l'a fait en perfect, donc ok, donc en fait, le mode parfait, c'est pas sur tout le niveau, c'est que sur lui. Ok. Ok. Bon bah on l'a éclaté. Il est un peu nul comme boss. J'étais pas prêt à autant le défoncer quoi. Ah mais attendez, ici il y a du monde. Toi, hop. Salut. Salut. Ah, quoi? Il y a une gemme là-haut? Ah oui, il y a une gemme là. Tac. Il y en a là, ok. Meurs. Il y en a une là. Et donc, pour le reste, tu m'indiques où? Tu m'indiques par là, ouais. Bah déjà, il nous manque un dragon, en fait. Donc ouais, dans la zone du dragon, en fait, finalement. J'ai su mon capuchef. Il y en a un là. Et il y en a un autre près de la lave. Celui-là. Ok. Mais maintenant, faut attendre que ça remonte. Ok. Bonjour. Merci de ton aide, Spiro. Bon courage. Parfait. Mais on n'a toujours pas... Ok, donc là, il y a une zone. Et on a... Oh purée, ok. Ok, il y a des gemmes ici. Et on n'a pas encore tout, ok. Enfoiré. Enfoiré. Et parfait, on a tout. On va pouvoir s'attaquer à notre ami Shaak. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Prochain épisode, c'est le dernier. Oh, je m'excuse si cet épisode est peut-être un petit peu plus court que les précédents. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un niveau de vol. Voilà, on a plus que Gnasty à faire. Par contre, on est à... Oh, donc à mon avis, il va y avoir masse de gemmes dans le monde, chez Gnasty New York. Donc on va aller le voir. On va aller voir ça. Et puis on va s'arrêter là-bas. Et on va se donner rendez-vous pour le dernier épisode. Je sais jamais par où aller pour... Logiquement, si Jack est là, c'est par là, c'est là. Ok. Bon. Bien joué, Spiro.
J'espère que tu sais ce qui t'attend encore. Le monde de Gnastide n'est pas l'endroit le plus sympathique qui soit. Tu es prêt à y aller? On est parti pour le monde de Gnasty. Du coup, est-ce qu'il y a encore des niveaux ou pas? Parce qu'en fait, c'est vrai que je m'enflamme en vous disant que c'est le prochain sera le dernier, mais ça se trouve, il y a 5 niveaux. Monde de Gnasty. De Gnasty. Alors. Oh. Ok, donc déjà, il y a 200 gemmes de dragon. Ok, et attendez, je vais te faire regarder. Monde de Gnasty. Il y a pas mal de niveaux. Ok, il y a encore. On a encore deux bons épisodes. Enfin, notamment le dernier qui sera vraiment pas mal. Du coup, moi, je vous propose, vous savez quoi, qu'on s'arrête là. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous du coup. Très bientôt pour la suite de notre aventure sur Spyro. Voilà, il nous reste encore grosso modo deux épisodes. On verra bien. J'espère en tout cas franchement et sincèrement les amis que celui-là, que celui-ci vous aura plu. J'aimerais bien me mettre dessus. Voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pied avec le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Partagez la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner si mon travail leur plaît. En parlant de travail qui vous plaît, si c'est le cas, vous pouvez aller dans la description, il y a mon lien Utip. Utip, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez regarder des pubs, pour vous c'est gratuit, pour moi ça me rémunère si mon travail est à la hauteur de vos attentes. Merci à tous ceux qui le feront. Je le répéterai jamais assez, mais pour moi c'est du soutien. Financier. Merci à tous. C'était Para. Bye tout le monde. Rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur Spyro. Normalement du coup, on est sur la dernière semaine de Spyro. On verra bien, mais je pense. Merci à tous. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Allez, bye bye.